bonjour là-bas, tout d'abord. Bonjour vous qui m'en regardez ensuite sur YouTube. Et ensuite, je vous dis, commençons une lecture. Oui, et alors je vais vous lire L'Enfant Océan de Jean-Claude Monlevin. Alors c'est un peu nostalgique pour moi parce que je l'avais lu en tant que collégien la dernière fois. Mais je pense que j'ai loupé beaucoup de subtilités. Vu que j'étais au collège, quoi. Et j'ai envie de le relire avec des yeux un peu plus grandis. Le livre fonctionne sur des récits de personnes. Par exemple, chapitre 1, c'est le récit de Nathalie Josse, assistante sociale. Ensuite, le récit de chapitre 2, récit de Marthe d'Outrelot, qui est la mère de Yann, et ainsi de suite. Il me semble que des personnages sont interrogés à la police, et du coup, ils racontent ce qu'ils savent. Ensuite, chapitre 3, un récit de Louis d'Outrelot, père de Yann, et ainsi de suite, vous avez compris. Et en fait, ils vont tous parler principalement de ce Yann. Tout va tourner autour de ce Yann. Donc je commence. Première partie. Récit de Nathalie Josse, 32 ans, assistante sociale. Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann d'Outrelot vivant. Enfin, je crois. Il était posé à côté de moi dans la voiture. Je dis bien posé, pas assis. Ses jambes, trop courtes, étaient étendues à plat sur le siège et pointées vers l'avant, raides comme des bâtons. Les deux pieds désignant la boîte à gants. La ceinture de sécurité flottait autour de sa poitrine. J'aurais pu le mettre à l'arrière dans le siège auto, mais je n'avais pas osé. On aurait dit une grande poupée. C'était en novembre dernier. Vous vous rappelez cette semaine de pluie qu'on a eue au début du mois, ce temps de chien? Il tombait des cordes, et c'est moi qui l'ai ramené chez lui ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Mes essuie-glaces sont à peu près aussi efficaces que des baguettes de tambour, et je roulais à 30 à l'heure, pas plus, sur la départementale. Si j'avais su que c'était la dernière fois, je l'aurais regardé davantage. Trop tard. Je le revois calé au fond du siège, buté, à tripoter ses mains. Ses drôles de petites mains, rouges et rondes, ses mains de bébé. Comment pouvait-on oser habiller un enfant de la sorte, sinon pour l'humilier? Il semblait sorti d'un autre âge, avec sa veste de costume boutonné au milieu, son pantalon de toile grise, des vêtements de grenier. Ma gorge se serre dès que j'y repense. Je n'avais jamais vu un petit bonhomme de ce genre auparavant. Combien pouvait-il mesurer? 80 cm? 90? En tout cas, il avait à peine la taille d'un enfant de 2 ans. Or, il en avait 10. Yann était une miniature. Bout de chou, mignon, mimi, trognon, voilà ce qu'on avait envie de dire de lui. Mais on était empêché par cette expression d'adulte qu'il avait autour des yeux et de la bouche. Cette gravité. Il n'avait aucune difformité comme on en voit chez les nains. Chez lui, tout était harmonie, mais tout était petit. La pluie averse, donc. Du vent par rafale. La carte dépliée en vrac sur mes genoux. Ça ne pouvait plus être très loin. Quelques centaines de mètres, peut-être. J'avais dû rater le chemin, passer devant sans le savoir. Sous cette pluie battante, tout était possible. J'ai fait demi-tour et je me suis concentré. C'était d'autant plus agaçant que Yann, à côté de moi, connaissait parfaitement la route, lui. Seulement, il n'était pas coopérant. Je l'avais interrogé au début. « C'est par là? À droite? À gauche? Montre-moi, au moins, si tu ne veux pas parler. Avec ton doigt. » Autant interroger mon parapluie. Je savais peu de choses encore de mon petit passager. Quand il avait 10 ans, qu'il s'appelait Yann, et qu'il était muet, il était arrivé dans sa classe de 6e le matin,
hébété et sans cartable. On avait bien questionné ses frères, mais ils n'étaient guère plus bavards. L'un d'eux avait fini par expliquer en reniflant un filet de morve de 10 bons centimètres. « C'est le père qui a foutu à la baille !» Traduction. Le père avait jeté le cartable dans le puits, ou dans la mare, enfin quelque part où il y avait de l'eau. J'en avais vu des gratinés dans mon métier de dingue, mais ça, c'était nouveau. J'observais le gosse à la dérobée, les chaussures grossières, dont les semelles baillées, le pantalon élimé, le pull vert marron qui dépassait des manches trop courtes de la veste, ma gorge s'est serrée. J'allais te tapoter sur son genou et lui dire « T'en fais pas, ça va aller. » Quand, sur notre droite, le chemin a surgi, signalé par un petit panneau à demi caché par les ronces, chez Perrault. J'ai garé la voiture à l'entrée de la cour. J'ai attendu avant de descendre, la pluie tambourinée de plus belle. C'est là? Sans lever les yeux, le gosse a fait un petit mouvement de tête. C'était là. La ferme était laide et sale. Un énorme tas de ferraille était empilé dans la cour. Les orties poussaient dedans. Un grand chien maigre jappait à l'entrée d'un hangar à la toiture délabrée. Les loutres lots étaient bien connus au collège. Le père avait une ferme. Yann était le 7e enfant. Les 6 autres étaient tous des jumeaux. Cela marchait par paire. Les 2 aînés avaient 14 ans et les suivants 13. Les plus jeunes, 11. Chaque année ou presque, en septembre, les professeurs de la classe de 6e voyaient ainsi arriver la dernière livraison de Doutrelot. Ou de Doutrelot avec un X. On avait envie de mettre le nom au pluriel. Tout était grand pour leur âge, mais maigre. Sans doute mal nourri et sans goût pour l'école. Yann arrivait seul en dernier, comme un point final au bout d'une phrase. Le chien s'égosillait de plus belle sous le hangar. Une porte s'est ouverte un peu plus loin et une femme s'est campée sur le seuil. Son tablier était souillé. Une poêle à frire pendait au bout de son bras. C'est ta maman? Silence. Je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert mon parapluie et j'ai fait descendre Yann. On a pataugé ensemble dans la cour de la ferme en direction de la silhouette immobile. La boue atteignait nos chevilles. Bonjour, je m'appelle Nathalie Josse, je suis assistante sociale. J'aimerais. Le chien s'était glissé derrière moi et guettait sans doute le moment le plus favorable pour bondir et m'arracher un morceau de mollet. Par réflexe, j'ai pris dans la mienne la main du gosse qui marchait à côté de moi. Tête basse, j'ai tressailli. Cette main minuscule était aussi calleuse que celle d'un bûcheron ou celle d'un ouvrier du bâtiment. La femme sur le seuil n'avait pas l'idée de faire taire le chien, ni de s'avancer à notre rencontre. Elle ne semblait pas étonnée non plus de voir son fils arriver à cette heure inhabituelle et en compagnie. Non. Elle nous regardait d'un œil vide, un œil de poisson, en attendant la suite. Vous êtes Madame Doutrelot? Je m'appelle Nathalie. Qu'est-ce qu'il a fait? Le ton était sec, lourd et lourd de menaces. Il n'a rien fait, je voulais seulement. La poêle était partie à la volée, a frôlé mon épaule et a atteint en pleine tête le chien qui était allé se réfugier derrière la maison en poussant des caï 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 pitoyables. Qu'est-ce que vous voulez alors? Eh bien, je vous ramène Yann parce qu'il est arrivé ce matin sans cartable au collège, qui n'avait pas l'air bien. Est-ce que je pourrais en parler avec vous? Faut voir avec le père. Malgré le parapluie, la pluie ruisselait sur nos deux têtes. Elle me coulait sur le visage, me glaçait les épaules. J'ai insisté et la femme a répété « Faut voir avec le père ». À sa façon de ne pas bouger d'un millimètre, d'occuper toute l'entrée et surtout son regard si dur, j'ai compris qu'elle ne me laissait jamais entrer. Au
Au troisième, faut voir avec le père. J'ai renoncé. Et je pourrais le voir quand? Demain. Le matin? Au lieu de me répondre, elle s'est adressée au gosse pour la première fois. Entre toi! Elle a lâché ma main. Il a lâché ma main et s'est glissé dans le petit espace entre sa mère et la porte. Mais avant de disparaître, il a fait une chose étrange que je n'aurais pas cru possible. Il ne s'est pas retourné, il a juste fait pivoter sa tête vers moi, s'est immobilisé et m'a regardé par-dessus son épaule. Cela n'a pas duré plus de 3 secondes, mais cette image s'est fixée dans mon esprit, s'y est inscrite avec plus de précision que n'importe quelle photographie. Depuis, je revois sans cesse ce visage, enfin levé vers le mien, ses yeux plantés droit dans les miens. J'ai eu la sensation troublante d'y lire avec autant de netteté que s'il avait parlé. Et pourtant, il ne disait rien, ne bougeait pas, et je lui ai lu un reproche. D'abord, bravo, vous avez fait du joli travail. Mais tout de suite après, un remerciement. Vous avez été gentil avec moi. Et puis, vous ne pouvez pas savoir. J'essayais de me persuader qu'il n'y a eu que cela. Je sais bien que c'est faux. Et que ses yeux disaient autre chose, criaient autre chose. Et que ce qu'il criait, c'était « Au secours ». Je ne l'ai pas compris ou je n'avais pas voulu le comprendre. Je me suis dit qu'on verrait ça plus tard, que cela faisait partie des choses qu'on peut remettre au lendemain. Mais il n'y a pas eu de lendemain. Fin du chapitre 1. Je vais m'arrêter là.